Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. En direct et en exclusivité, Christophe Moïse. En tout cas, c'est parmi nos analystes, je vais dire analystes maison. Christophe, bonjour et bonne arrivée. Bonjour messieurs les journalistes. Et bon vendredi à moi. Oui, merci également de nous associer à ce débat. Oui. Là où nous sommes suivis par de nombreux téléspectateurs à travers le monde, nos compatriotes congolais. En tout cas, j'ai dit coup de chapeau à Congo Live. Merci, vous êtes sur Congo Live et Télévision, mesdames et messieurs. Christophe, et ensemble, nous allons analyser plusieurs sujets d'actualité, mais certainement, nous avons un sujet principal. De cet entretien, nous allons revenir sur les nominations au sein de l'armée, des nominations faites récemment au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, on commence par là. Il faut préciser en tout cas que les nouvelles nominations au sein de l'armée congolaise ne cessent de susciter des réactions au sein de l'environnement sociopolitique congolais. Par exemple, pour les députés nationaux et vice-présidents de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, en tout cas, c'était l'une des demandes présentes de la population, selon lui, c'est ce qu'il a déclaré avec toute, donc avec cette nomination. Il a dit, en tout cas, s'attendre à d'autres mesures, surtout à ce qui concerne les responsabilités des commandements dans les provinces. Surtout les provinces en proie à des violences, ou bien à proie à l'insécurité. Mais ici, la question, monsieur Christophe, est-ce que la mise en place au sein de l'armée congolaise, également la réorganisation rapide, la prise des opérations, le nettoyage et le renforcement des outils militaires, est-ce que pensez-vous que c'est une priorité dans OC ou bien après cette réorganisation de la, disons après cette nomination OC de FRDC? Bon, je ne réfléchirai pas de la même manière comme l'honorable Jacques Njoli, que nous respectons beaucoup. Ouais. C'est un homme vraiment de charisme, qui a aussi une longue expérience parlementaire et politique. Mais nous ne pouvons pas vraiment limiter ou soit réduire la réforme de l'armée par des petites nominations. Parce que ici, le débat autour des nominations, moi, je le qualifierais comme un débat de bas niveau. Parce que toute une nation ne peut pas se focaliser autour des questions liées aux individus, à des nominations et tout. Mais c'est une question très large qui devrait toucher même les aspects liés aux infrastructures militaires, à la formation, à des lois, mais également à l'encadrement et à l'amélioration des conditions de vie des militaires. Parce que si vous voyez les nominations qui ont été faites récemment par le président de la République, effectivement, c'est presque les mêmes noms qui essaient encore de revenir dans l'appareil sécuritaire. Et ça, au vu de l'expérience malheureuse que nous avons ensemble avec toute la population, ça ne rassure pas. Parce que si vous prenez les quatre zones de défense que nous avons à travers la République démocratique du Congo, elles sont commandées par les mêmes personnes il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, sans résultat. Alors, est-ce que nous devons nous limiter exclusivement à produire des nominations et des nominations, ou il faut voir là où il y a les véritables problèmes de cette armée pour que nous puissions nous rassurer que nous avons découvert les véritables problèmes de l'armée et c'est de là que nous voulons commencer. Parce que pour moi, la priorité n'est pas des nominations. La priorité, c'est l'amélioration d'abord des conditions de vie des militaires, parce qu'il faut que ces services, on les rend beaucoup plus attrayants. De la même manière que les gens ont tendance à être attirés par les services ou dans les services de l'État, notamment
des entreprises publiques de l'État, l'OCC, la DGRAD, l'OFIDA, la DGDA et tout. C'est de la même manière qu'on doit rendre aussi cette armée pour qu'il soit aussi attrayante, en fait que les gens aussi aient le souci d'aller prester dans notre service de sécurité. Parce que lorsqu'il est venu au pouvoir, monsieur le président de la République, la population avait beaucoup des attentes autour, premièrement, des questions de sécurité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans après qu'il est président de la République, est-ce que ces ententes ont été répondues? Mais il y a quand même Si le plan sécuritaire, je vais y revenir, quand le président est arrivé par là, on a vu la libération d'Eddy Kappen, qui était cité dans l'affaire d'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. On ne sait pas si ça sera la fin de ce procès ou il n'y a pas eu d'éclaircissement clair. Malheureusement, il a été libéré. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais parlé effectivement de qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là au Palais des Marbres pour que le président de la République, Laurent Désiré Kabila, de l'époque, soit assassiné. Mais également, on a assisté à ce qu'on a appelé l'inauguration de l'école de guerre qui devrait être pilotée par des Français. Aujourd'hui, on ne connaît pas quelle est la suite. Il y a des évolutions là. Il faut préciser, monsieur Christophe, il y a certainement, parce que ce n'est pas toutes les informations souvent qui sont. Je vais revenir sur la. Mais il faut dire en tout cas, c'est nos recherches, moi-même, j'ai enquêté en tout cas sur ça. Par exemple, par rapport à cette école, il y a quand même des avancées là-dessus. Oui. Peut-être on reviendra sur ça. Il faut. Dans un autre sujet, effectivement, on est en train d'éveiller la population et elle a le droit d'être informée sur les évolutions qu'il y a dans notre pays. On a parlé de l'école de guerre, où vous avez certainement des éléments, nous y reviendrons avec force et détail. Il y a eu ce qu'on a appelé le meeting aérien, qui a été fait concomitamment avec l'armée angolaise, et que nous avons chez nous taxé de, comment dirais-je, d'un certain spectacle. Mais malheureusement, on ne sait pas quelle a été la suite de ce meeting aérien qui a été fait avec l'armée angolaise. Aujourd'hui, c'est passé, on ne sait pas quelle sera la suite. On est revenu un peu plus tard avec l'arrestation de certains officiers de l'armée. Nous avons salué. Mais toutes ces arrestations, ces personnes-là sont en train d'être remplacées par qui? On a suivi la relance du service national de Kanyama Kasese. On a loué. Donc tout cela, ça entre effectivement dans le cadre des efforts qui sont en train d'être déployés par le gouvernement pour qu'il y ait des réformes profondes au sein de notre armée. On est revenu avec l'industrie militaire qui a été inaugurée à Kinshasa, là où on est en train de coudre, de confectionner des tenues militaires. Les uniformes. Alors dans tout cela, je suis en train de fustiger une chose. C'est le caractère publicitaire et médiatique qui est en train de se faire autour de ça. Donc, vous avez évoqué communication, pas seulement une mauvaise communication, mais le manque de professionnalisme sur le plan de la discrétion et des secrets d'État. Vous savez, les questions sécuritaires, ce sont des questions qui demandent beaucoup plus de la discrétion et de la discipline. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers le monde et dans d'autres pays. Nous ne les voyons que lorsqu'il y a nécessité ou carrément lorsqu'il y a des grands défilés militaires et des parades que nous voyons des exploits. On a été surpris quand le président de la République est arrivé à Goma récemment et nous avons vu autour de lui qu'il y a ce qu'on a appelé des snipers. Selon les informations que nous avons recherchées, on nous dit que ces gens-là ont été envoyés en Occident. Je n'ai pas la précision du pays. Ça doit être par exemple aux États-Unis qui étaient partis pour aller être formés sur la sécurité personnelle du chef de l'État. Et ces gens sont revenus bien cagoulés. On trouve vraiment que ce sont des militaires costauds. Alors, si le président de la République a réussi à faire ça dans un court délai pour sa propre sécurité, ça prouve à suffisance que c'était aussi possible pour que ça se fasse à travers les services de sécurité dans toute l'armée, que nous ayons des unités spéciales qui pourront aussi être présenté dans une parade ou dans un défilé militaire à l'occasion d'une fête nationale de la République pour que nous puissions être surpris au moins qu'il y ait de nouvelles unités qui ont été faites. Mais vous trouvez ici que peut-être le président est dans une... Non, au-delà de ça, excusez-moi, monsieur Christophe, ce n'est pas seulement cette unité-là qui est partie en formation. Vous savez, d'ailleurs, récemment, vous avez suivi l'appel de l'armée
demanda déjà de se faire enrôler dans l'armée. Il y a des formations qui se suivent dans l'armée congolaise, vous le savez. Bon, c'est là où je devrais revenir. L'armée, on ne peut pas faire appel à aller dans l'armée, comme ça s'est fait dans d'autres pays. L'appel d'intégrer les forces de sécurité ne se fait pas aux médias. Ça passe par une sensibilisation et une conscientisation de la population au regard des dangers qui guettent la nation. Vous savez, l'article 63 de la Constitution parle à un certain moment d'une certaine légitime défense. Où, lorsque le pays est agressé ou il est sous menace, on peut organiser un service rapide militaire pour que les populations qui seront considérées comme des réservistes, à tout moment qu'il y a agression, ces populations peuvent être engagées dans un combat ou dans la guerre, dans l'objectif de défendre d'abord l'intégrité territoriale. Et ici, on ne fait pas allusion forcément aux forces de sécurité. On fait allusion à tout citoyen digne de son nom, épris de patriotisme et de nationalisme, et de défendre d'abord son pays. Cela étant, c'est en cas de force majeure que nous pouvons maintenant revenir sur les questions des effectifs militaires. Alors, pour revenir sur les réformes profondes, à mon sens, je pense que cette armée, premièrement, devra être encadrée. Et avant son encadrement, il faut d'abord passer par ce qu'on a appelé l'état de droit. L'état de droit, c'est-à-dire notre armée devrait être encadrée par de nouvelles lois spéciales qui pourront faire à ce qu'elle soit attrayante au regard des jeunes que nous sommes et l'ensemble de toutes les populations. Avant d'arriver aux effectifs, je vais revenir sur les infrastructures parce qu'il faut d'abord construire des camps militaires. Le camp de Rumangabo qui était l'un des meilleurs camps en Afrique centrale, mais aujourd'hui, c'est un camp qui est en état de délabrement très avancé et qui aujourd'hui, en tout cas, ça ne représente plus rien dans le cadre militaire. Il y a des questions de logistique militaire. Et il y a maintenant des questions de formation. Donc on peut parler des questions des effectifs après avoir épuisé les préalables. Et les préalables ici, ce sont des casernes de militaires, ce sont des camps, ce sont des infrastructures, ce sont des matériels militaires, ce sont des lois, c'est l'administration militaire. Et c'est après que nous puissions déjà assainir ce climat-là au sein de nos forces de sécurité qu'on peut maintenant faire appel aux effectifs. Et ça doit couler dans un projet à court, à moyen et à long terme. À long terme, on peut se dire, dans les 10 ou les 20 prochaines années à venir, nous voulons avoir quels effectifs militaires au sein de nos forces de sécurité. Pour moi, je préfère que nous puissions nous donner un cap en disant, comme nous avons 100 millions d'habitants, c'est que ce pays, nous devons avoir au moins 10% de la population qui devra être des militaires. C'est-à-dire avoir au moins une armée de 10 millions d'hommes. D'hommes, oui. C'est possible. Comment? C'est possible parce que si vous prenez par exemple les 10 millions d'hommes, vous les divisez par 10, vous vous direz que chaque année nous serons en train de recruter au minimum 100 000 militaires qui doivent être formés, qui doivent être nourris et qui doivent être mis dans de très bonnes conditions. Parce qu'ici, je dois revenir aussi dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des militaires, où ils doivent avoir des casernes, ils doivent avoir des tenues, ils doivent avoir des nourritures. Et toutes ces questions, nous devons nous les poser. Est-ce que nous avons des hommes aujourd'hui qui sont prêts à se sacrifier? Et ici, quand nous parlons de sacrifice, nous ne parlons pas forcément de la mort. Nous parlons de ces hommes-là qui peuvent accepter d'abandonner certains de leurs avantages au profit de la nation. Vous êtes un président de la République, vous acceptez de réduire votre salaire à 50%. Vous êtes député, ministre, qui que ce soit, PDG, ADG ou PCA dans une entreprise publique de l'État, acceptez de sacrifier certains de vos avantages au profit de la nation. C'est possible, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Nous avons des terres arables en République démocratique du Congo. Mais nous devons cultiver. Nos militaires à temps de paix, ils doivent peut-être cultiver ou ils doivent passer effectivement à des formations, des remises à niveau et tout pour nous assurer qu'à chaque fois que les militaires seront dans des casernes, ils seront en train d'étudier, ils seront en train de se former, ils seront en train de se spécialiser dans plusieurs domaines.
Et pour cette question, je suis en train de répondre rapidement. Les 10 millions d'hommes, nous devons nous dire qu'est-ce qu'ils seront en train de manger, quel est le salaire qu'ils seront en train de trouver, comment leurs enfants seront en train d'être encadrés, leurs femmes et tout. Ça, ce sont des projets à long terme sur lesquels le Parlement et toutes les institutions, nous devons nous mettre ensemble pour discuter. Parce que si nous avons par exemple 10 millions d'hommes aujourd'hui, l'agression ne sera pas aussi facile comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Notre appareil de sécurité est devenu, nos frontières sont devenues très passoires. C'est tout le monde aujourd'hui qui s'amuse avec le Congo. Mais vous imaginez, vous avez d'abord 10 millions d'hommes qui prestent régulièrement dans l'armée et vous réservez au moins 500 000 jeunes qu'on appelle des réservistes. C'est-à-dire on peut recourir à eux lorsque l'armée est débordée. Ouais. Maintenant, j'ai parlé des questions des camps militaires. Nous devons nous dire, nous avons 4 zones de défense à travers notre pays. Combien de camps avons-nous besoin et de quel type? Et ensuite, on devrait revenir sur les partenariats. Avec quel pays nous allons former des partenariats? Ouais. Des constructions de camps, des formations et des déploiements des kits militaires. Parce que nous avons 3 forces au sein de nos forces armées. Mmh. Il y a des forces aériennes qui doivent avoir une formation particulière. Nous devons avoir des avions de chasse, nous devons avoir des mirages, nous devons avoir des hélicoptères de combat, nous devons avoir des parachutistes. Ouais. Vous comprenez? Nous avons la force navale. Cette force navale, elle s'occupe effectivement de la sécurité territoriale dans les zones maritimes. Ouais. Là, nous avons besoin des bateaux de combat, des bateaux de guerre. Nous avons besoin des hors-bords, nous avons besoin des marins et des sous-marins qui doivent aussi avoir leur formation particulière. Et nous avons aussi la force terrestre. Dans la force terrestre... Tout pour faire face au M23. Pour faire face au M23. Et mais également, il y a maintenant des unités spécialisées au sein des armées. Mmh. Où nous avons des commandos, ouais. Vous avez des régiments, vous avez des infanteries. Et vous comprenez effectivement que l'armée, c'est tout un service à part. Ouais. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est beaucoup plus les aspects de la théorie générale de l'armée. Mais il y a des aspects aussi techniques que nous ne voulons pas aussi discuter ici, parce qu'il y a des spécialistes pour ça, pour ne pas être aussi interpellé pour outrage ou d'avoir donné les secrets de l'armée. En tout cas, ça c'est purement technique, mais ce que nous disons ici, c'est ce que devrait être notre armée. Mais est-ce que notre pays, qui rêve de devenir une grande nation, nous réfléchissons autour de ces questions? Donc, voilà en général ce que je suis en train de réfléchir en termes de réforme au sein de notre armée, et à cela devra s'appuyer maintenant l'administration militaire. Et c'est dans l'administration militaire où vous trouvez tout un corps, comme vous l'aviez dit, parce qu'il y a ceux-là qui s'occupent de l'administration, de la justice militaire, qui s'occupent de la logistique, qui s'occupent des nourritures des militaires, qui s'occupent de l'aumônerie militaire et qui s'occupent de la médecine militaire. Vous comprenez que l'armée, c'est vraiment un service tellement technique dans lequel on recommande beaucoup plus l'ordre, la discipline et la discrétion. Parce que les militaires, ils vous disent que la discipline, c'est la mère des armées. Ouais. C'est-à-dire, il y a même un critérium qui doit être défini avant d'intégrer les forces de sécurité. Ce n'est pas comme chez nous, là où tous les enfants qui ont été difficilement éduqués dans nos familles, ce sont là que nous envoyons dans l'armée. Mais pourquoi c'est là chez nous? Parce qu'effectivement, c'est depuis l'époque coloniale où tous les enfants doux, intelligents, on devrait les envoyer au couvent, on les envoie au petit séminaire. Et les autres à l'école, pour devenir des prêtres, des professeurs, des pasteurs. Vous comprenez un peu l'idée. Mais tous les enfants brigands, on les amène dans l'armée. Pour et former ça, vous imaginez maintenant la qualité de l'armée que nous aurons. Et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens quand nous on grandissait, il suffisait que vous soyez seulement un garçon un peu turbulent dans l'avenir, on vous dit toi tu finiras par être un militaire. Pour dire que notre armée à nous, nous l'avons laissée à la solde des délinquants, nous l'avons laissée à la solde des criminels, des rebelles. Et aujourd'hui vous voyez maintenant la meilleure voie pour accéder dans l'armée, il faut soit
appartenir dans des groupes des anti-gangs, mm-hmm. il faut appartenir dans une milice, il faut appartenir dans une rébellion, et voilà. Mm-hmm. On va vous négocier, vous allez intégrer l'armée. Mais quelle qualité d'armée allons-nous former ? La justice militaire, oui. c'est de là maintenant que je vais revenir, parce qu'il ne faut pas que nous... Nous tendons vers la fin, nous restons qu'avec une minute. Merci beaucoup. Oui. Alors, la justice militaire, mm-hmm. toutes ces personnes qui sont impliquées dans des violations graves des droits de l'homme, mm-hmm. qui ont fait partie des milices, mm-hmm. qui ont commis des exactions en République démocratique du Congo, oui. qu'est-ce que nous prévoyons pour voir comment est-ce que nous allons les nettoyer au sein de l'appareil sécuritaire ? Est-ce que pensez-vous que c'est possible, M. Christophe, parce que vous savez... jugé et condamné... Oui. et faire appel à de nouvelles personnes qui ont un sens de bonne moralité, qui doivent maintenant prester au profit de la nation. Est-ce que pensez-vous que c'est possible d'écarter ces gens-là? Mais c'est possible. Comment? C'est possible parce qu'il suffit seulement que vous soyez pointé du doigt avec et que nous puissions voir les éléments de preuve qui vous charge que réellement que vous faisiez partie dans une rébellion qui a commis autant de dégâts. Ça peut être toute une organisation, mais lorsque vous vous êtes cité, il y a ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Mais ça ne sera pas facile parce que vous savez, au-delà des militaires, il y a même certaines autorités qui... certaines d'ailleurs, ou il faut dire certains hauts fonctionnaires de l'État qui ont même passé dans différents groupes armés, dans différentes rébellions, et du coup aujourd'hui il y a même ceux qui sont devenus ministres, députés. Est-ce que pensez-vous que ça sera possible? Ça ne peut pas encore être à la base de la guerre dans les pays. Vous savez, lorsqu'on est en train de vouloir construire une nation, on ne le fait pas avec complaisance. C'est-à-dire, qui qu'il soit, où qu'il soit, que vous occupez une telle ou telle autre fonction, si vous êtes impliqué dans les massacres, dans un cas de violation des droits de l'homme et que la justice a besoin de vous, vous devez être interpellé. Donc, il faut être intransigeant. La justice doit faire son travail et ce n'est pas par complaisance. Tout le monde doit être interpellé, tout le monde qui a été cité. Et pour ça, c'est pour cette raison d'ailleurs que le docteur Mukwege est en train de réclamer qu'il y ait un tribunal spécial avec international pour le Congo, avec le rapport Mapping qui a coûté des millions d'argent pour être rédigé au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui répertorie effectivement plus de 600 cas de violations graves des droits de l'homme, et que, comme il y a des rapports, c'est-à-dire il y a aussi des coupables, parce qu'il y a des victimes, il y a aussi des coupables. Et ces gens-là doivent être remis dans leurs droits. On doit réparer les dommages qui ont été causés, parce que les gens ont été préjudiciés, et ils doivent être indemnisés. Donc vous comprenez que c'est un long processus, effectivement, qui est très sensible, mais il faut qu'il y ait quand même des hommes courageux, parce qu'on ne peut pas construire notre pays dans la complaisance. Mais c'est pas facile. C'est facile si on a des hommes qui placent d'abord l'État en premier lieu. Et s'il y a ceux qui ne se reprochent de rien. Alors il faut instaurer l'État autoritaire, peut-être. Non, c'est dans la démocratie, non? Oh. On parle de la démocratie, ici, on parle des droits de l'homme. Donc, comme on est dans la démocratie, c'est là où on ne peut pas interpeller les gens qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans la destruction de ces pays. Mais vous savez, ce n'est pas impliqué vraiment à 100% comme... Aujourd'hui, depuis l'accord de San City, aujourd'hui, nous sommes à 20 ans depuis qu'on a signé l'accord de San City, parce que c'était signé en février 2002. Aujourd'hui, on est en 2022. Ça nous coûte quoi pour déclencher le processus de transition, de justice transitionnelle, pour que tout le monde qui a été impliqué, ou soit, si tel est le cas, on passe par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où il y a eu des commissions qu'on a appelées vérité et réconciliation. Les gens viennent, ils demandent pardon. Moi, je suis tel, j'ai commis de telles violations à l'égard de telle ou telle autre famille, je demande sincèrement pardon. Auprès de cette famille. Pas par hypocrisie. Mais comment? Pas par hypocrisie. Mais ça doit être un pardon sincère. Mais qui doit être attesté? Ce sont des dialogues d'hypocrisie qui ont été organisés. Chez nous, Ça s'est fait au Rwanda. Ouais. Avec les gachachas, effectivement, ce ne sont pas des tribunaux. Ce ne sont pas des tribunaux légaux. C'était organisé dans le cadre coutumier. Les gens se sont réunis. Ils se sont demandé pardon. Aujourd'hui, quand même, on est en train de sentir. Tant soit peu qu'au Rwanda, il y a un petit développement qui commence à s'observer. Mais ici, chez nous, tellement qu'il y a de l'hypocrisie, la complaisance et tout, les gens se mettent autour d'une table, sachant que tel, il est mauvais.
et l'autre il est mauvais. Mais on décide toujours par hypocrisie de se mettre ensemble en disant que non, non, les choses vont bien alors qu'il y a des victimes. Les problèmes, ce sont ces gens qui se mettent ensemble parce que, ou bien ce sont les organisations, ces ONG-là, parce que souvent, la plupart de ces assises sont financées par des ONG internationales et du coup, on a l'impression que les gens qui viennent prendre part à ces dialogues, ils viennent soit pour prendre les perdiens, mais du coup, ils partent sans rien attendre comme changement. Vous savez, les solutions aux problèmes du Congo ne viendront ni de l'Orient, ni de l'Occident. Lumumba l'avait dit, que l'histoire de ces pays ne s'écrira ni à Washington, ni à Bruxelles et encore moins à Paris. L'histoire de ces pays s'écrira en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ça appartient aux Congolais de rédiger leur propre rapport qui attestent effectivement, parce que ce sont elles les premières victimes, ce sont elles les témoins qui ont vécu toutes ces situations. C'est-à-dire, nous devons arriver à ce niveau où nous pouvons ériger nos propres tribunaux, selon notre propre modèle, et interpeller les gens selon nos us et coutumes pour que nous puissions trouver la solution à ce problème. Merci beaucoup, Christophe. Je vois, il y a assez de matière, hein. Mais malheureusement, l'État, en tout cas, nous sommes presque, on est à la fin de cet entretien. Je vois qu'on a assez de matière. Je sais que prochainement, on va prendre un moment pour en tout cas revenir sur ça. C'est très important parce que vous savez, il y a les Congolais qui suivent les choses, surtout nos amis, nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. Hein. Oui. C'est vrai, souvent ils suivent des choses sur les réseaux sociaux, mais ils ne vivent pas ça comme nous vivons la situation. Par exemple, nous qui sommes à l'Est, on sait bien qu'on aura toujours le moment de faire appel à vous pour connaître un peu des données, en tout cas des lumières par rapport aux différentes questions. Donc voilà, merci beaucoup Christophe d'avoir été là. On s'excuse par votre numéro de téléphone. Merci beaucoup messieurs les journalistes. Donc c'est un sujet très important auquel nous devons encore revenir avec beaucoup de détails. Je suis au 09 98 33 58 60. Merci. Fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. Vous l'avez aimé, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires, mais aussi abonnez-vous sur notre page, voilà, Facebook, Congo Live TV et sur YouTube. Je vous fixe rendez-vous. Nous vous disons à demain. Bye bye. Merci. Et allez.